Ok, et c'est parti sur ce Link contre Wii Fit Trainer, c'est parti pour ce Pyrolim contre Curaco, Pyrolim qui, on le rappelle, est arrivé ici en battant Piwix, là où Curaco est arrivé ici en battant LM, en Ditto Wii Fit Trainer, et on part sur Small Battlefield. Alors, que dire de ce match-up? Le match-up va être potentiellement compliqué pour Wii Fit, puisqu'on a énormément de projectiles du côté de Pyrolim, du côté de Link, qui vont l'empêcher de poser son gameplan, mais en même temps, on a une Wii Fit Trainer qui est fameusement très agressive du côté de Curaco. Donc potentiellement une Wii Fit Trainer qui va pas laisser le temps à Pyrolim d'installer son game plan non plus. C'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, c'est vraiment très even avec une cinquantaine de pourcents de chaque côté. Le ballon qui protège Curaco. Okay, on va pas prendre ce spike hein, du côté de Pyrolim, on a bien failli, mais on ne le prendra pas. Et on est de nouveau vraiment très even ce coup-ci sur une quatre-vingtaine de pourcents. Je ne sais pas si ça se dit et je m'en fous. Et on va prendre ce kill avec ce forward tilt boosté au deep breathing du côté de Curaco. On rappelle le deep breathing qui lui permet de tuer beaucoup plus tôt et de se déplacer différemment également. Et ça augmente également son poids, si je dis pas de bêtises. Et on ne va pas prendre ce kill au AB du côté de Pyrolim, au contraire on se fait Gratax, on se fait Omega Gratax, et on prend 76% déjà, et on reviendra pas, on va louper cette tech du côté de Curaco, et on a perdu cette première stock. Pyrolim, mon compatriote du QG qui revient dans la game, même s'il a un 124% accumulé sur lui contre seulement 42% sur Curaco, on n'est plus du tout sûr de l'even. Pyrolim qui est boosté par le choix de la musique, hein, c'est son choix de musique, c'est la musique de Céleste. Ici, on connaît les bails. Et on a 74% sur cette Wii Fit Trainer 88. Les pourcentages qui commencent à remonter. Et on ne prendra pas ce kill sur cette back row Wii Fit Trainer qui a du mal à tuer, ironiquement. D'habitude, c'est vraiment pas un problème. Mais là, pour le coup, ça commence à lui poser du tort. On a récupéré l'avantage positionnel grâce à cette bombe. C'était bien joué, malheureusement. Pyrolim qui retourne offstage. Il a tenté une edgeguard et il ne l'aura pas eu. Mais vraiment Pyrolim qui s'en sort très très bien actuellement pour récupérer les pourcents. Est-ce qu'on va réussir à prendre un kill? C'est la question qu'on a le droit de poser. Il est déjà à 169% contre 107 sur cette Wii Fit Trainer. Non, la Wii Fit Trainer va prendre le upper boosté aux hormones. Mais on a 107% sur la Wii Fit. C'est déjà pas mal. Et le UB qui va repousser Curaco. Et on va perdre cette stock. Non, quel dommage. Il s'est embrouillé. Il s'est emmêlé les pinceaux. Ok, on repart sur Small Battlefield. On a toujours le même match-up évidemment. Et on va voir si du côté de Pyrolim on arrive à s'en sortir un petit peu mieux au niveau de ses Ricos. Normalement, les Ricos de Pyrolim qui sont sa spécialité. On a mis 94% en une histoire de 10 secondes le damage input de Wii Fit Trainer. Il faut vraiment en parler. Quel putain d'enfer! 123% en 20 secondes. Ok, on va pas prendre le kill du côté de Pyrolim, mais on a récupéré un petit peu quelques pourcents. On est à 70 sur la Wii Fit Trainer, 80 maintenant, 91. On s'en sort vraiment pas trop mal. Le up B qui va ramener presque à l'even, hein, une trentaine de pourcents de différence. Et malheureusement, le up smash qui va sortir un petit peu prématurément et qui va perdre la stock de Pyrolim. La première stock va partir à l'avantage de Curaco.
Ah non, faut arrêter, hein, vraiment, c'est Smash en punition qui sont quelque chose que Pyrolim aime beaucoup faire. Malheureusement, c'est très punissable et Pyrolim en fait souvent les frais. Il faut absolument qu'il arrive à mieux les placer ou à ne plus les placer. Ok, on a 75% posé sur ce Link, 75%, 87%, c'est vraiment, vraiment beaucoup. On se met en situation d'avantage hein, du côté du Link. Et attention à ce upper, 109% déjà posé sur le héros Ilien. La Wi-Fi trainer de Kurako qui est très installée, qui est installée très confortablement. Ok, on tente hein, le nerf, on tente le nerf upper depuis tout à l'heure hein, du côté de Kurako. On ne le trouve pas malheureusement pour lui. Va se prendre ce back hit du fort tilt et le boomerang qui n'arrête pas le salut de Sun et on a un Pyrolim avec une stock presque entière de retard. C'est vraiment compliqué ce qui est en train de nous être proposé. Ok, on a 64%, 76%. Et le up smash, celui-là, il va passer 98, 99, posé sur la Wii Fit Trainer. Attention, ces chaînes de upper, hein, ces chaînes de forward air, pardon, du côté de Kurako, qui ont fait leur preuve, qui ont mis tellement de dégâts sur la première stock tout à l'heure, on le rappelle. Et attention, encore une fois, ce back air out of shield, une très bonne option. De Wi-Fi Trainer, on a le Deep Breathing, ce qui signifie qu'on va mettre des gros dégâts, mais on le perd sur ce forward air, seulement 60% sur Pyrolim, sur Link. Link, c'est correctement lourd, donc potentiellement, c'est un retard qui peut être rattrapé. Et on a déjà 29% posé sur la Wi-Fi Trainer. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser cette remontada? C'est tout à fait possible. Ok, on a la bombe, on a le nerf et on a une situation quasiment d'even avec un nerf dash attack qui va récupérer l'avantage à Pyro. Est-ce que c'est la mort? C'est pas la mort, mais on n'est vraiment pas très loin hein, du côté de Pyrolim. On s'en sort vraiment très bien. Attention tout de même à ce back air, on va potentiellement se prendre ce salut de Sun et malheureusement on va perdre cette stock sur le salut de Sun. Et encore une fois Pyrolim qui malheureusement s'en mêle un tout petit peu les pinceaux, qui se retrouve un tout petit peu trop enthousiaste et qui perd sa deuxième cam. Mais heureusement pour lui c'est un BO5 et on a Verdasago qui me rejoint au cast. Et rebonjour, j'ai eu un cours de boxe. T'as joué contre le brawler de Busty? Non, j'ai eu un cours de la boxe. Ah, de boxe, d'accord, très bien. Oui. Oui, de boxe, Et la franchement, manette. les inputs, incroyable. Ça passe trop bien. J'adore la sensation. C'est fou comme c'est 100% culture strasbourgeoise de jouer à Smash Bros Ultimate à la boxe. C'est la faute de Bad. Mais non, mais c'est vraiment incroyable hein, la sensation. Du coup, là, ouh, ah Là, on oui, est Game 3. Voilà. on est sur du lourd là quand même. Ouais, on est sur du très très lourd effectivement pour ce Winner Quarter. Kurako contre Pyrolim. Ouais. Là, Small Battlefield, on était. On a toujours été sur le Battlefield. Okay. Ils sont restés fidèles à ce terrain. On tente Et pas de spike. non, ils tentent pas le spike, mais il faut. C'est bien parce qu'il faut qu'il commence à être plus prudent offstage. Ça fait deux fois qu'il perd une game parce qu'il est un petit peu trop reckless D'accord. offstage. Donc là, c'est vraiment bien qu'il commence à plus prendre son temps, qu'il commence à plus faire attention à ce qu'il fait. C'est une bonne nouvelle. Et on a un Pyro qui fuit. Et qui a parfaitement raison. S'il a perdu avant. Non, non, mais pour le coup, il s'en sort Oh, vraiment, vraiment très très bien bien. joué Et on ça. a cette flèche qui ne passera pas. Et un Pyro qui reste en avantage, qui reste en ledge trap, qui maintient son avantage positionnel. Et franchement, c'est pas du tout le même game plan que ce qu'il y avait sur les deux premières games. Mais c'est très efficace hein, ce qu'est en train de nous proposer, ce qu'est en train de nous proposer Pyrolim actuellement. Ne Ouais. pas se faire avoir par les spikes, ne pas se faire avoir par les options de Wi-Fi Trainer. Il s'en sort Salut de plutôt Sun, vraiment très hein, bien. bah, il a que 42%. Il a que 42%. Contre Alors que 160. la game d'avant, il a pris 90% en genre 10 secondes. Ah oui. Mais vraiment, hein, c'était pas une blague, c'était les 10 premières secondes. Il s'est pris faire, il a pris 90. Ah oui, d'accord. Et surtout que les hitbox de Wi-Fi Trainer sont,
quand même assez, assez bizarre. Assez funky, ouais. Les hitbox de Fitrainer sont très bizarres, mais les hitbox de Pterodium, pour le coup, sont très très efficaces et on a une première stock de manière vraiment très clean. Et que 56%, hein. On joue un peu mieux. Oh, c'est dur! On a pris, attends, aussitôt! On a pris 50% aussi vite! Ah oui, mais le debriefing. Le debriefing. Ça fait très mal, du coup, là, on est de nouveau à égalité. Hein. Ah, mais il faut surtout pas perdre ce gameplan qu'on a trouvé du côté de Pyrolim. C'est un bon gameplan, il faut continuer comme ça. Mais du côté de Kurako, on est en train de s'adapter et ça commence à se voir. Mais... La bombe. Oh, ouais. La bombe qui a peut-être sauvé un des coups pour Link. Hein. Ok, on a ce up smash. Pour le coup, le up smash celui-là ne sera pas puni. On a vu hein, à plusieurs reprises le up smash de Pyro qu'il fait un tout petit peu trop vite et malheureusement ça lui vaut des stocks. Mais là, le up smash était très bien placé et a pris les dégâts. Attention tout de même à ne pas se faire récupérer. Ouais, on a une bonne DI. Hein. Ouais, ça c'était très risqué. Encore une fois, est un petit peu reckless offstage et il faut qu'il prenne moins de risques. Surtout que Kurako est très doué pour capitaliser sur les risques de son adversaire. Oui, bah surtout que c'est là quand il punit les punitions. Voilà, ça peut arrêter, offstage. Ça peut arrêter. Ça vraiment, le up smash en tentative de récupération out of shield, ça ne marche pas. Il faut qu'il les arrête. Il se fait beaucoup trop punir dessus. Pyrolim qui est en désavantage en termes de pourcent à présent, mais qui est en avantage d'un point de vue positionnel et qui reprend vite fait l'avantage de pourcent. Mais ça reste c'est très dur hein, c'est très, très de déloger. Et c'est la mort. Non, c'est pas la mort. Non, il faut faire très très gaffe. Hein. Ok, on esquive le salut de Sun. Ouais, mais on va prendre ce forward air et. Et on, voilà, on se fait avoir sur ce AB Pyrolim, ouais, se claque la cuisse et je remonte un peu trop haut. Voilà, là pour le coup ça prendra le kill et on est très even de nouveau sur cette game 3, sachant que Pyrolim, s'il veut remporter ce set, doit effectuer le reverse 3-0. Ça va pas être facile. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Parce que son Link est quand même très très fort. Oui, effectivement. Et quand il s'y met et quand il commence à jouer patiemment Pyrolim, c'est vraiment une menace. Ouais, mais ça veut dire Sun qui a fait mal quand même. Ouais, pour le coup. Ah, tout de suite, ça a été puni, ça. Hein. Ah, et le spike, le fameux. Dur. Et à chaque fois, c'était vraiment... C'était ce spike-là C'était pas à chaque fois ce spike, c'était pas à chaque fois un spike, mais c'était à chaque fois une erreur d'inattention offstage et c'est la mort. Et là, malheureusement, ça a été... Là, malheureusement, ça a été... Télé. Mmh. Ouais.